de l'œuvre TV Day. Une chaîne pour augmenter notre foi en Christ. Au commencement, était la parole, Christ. Radio, parole vie. La radio qui donne la vie à travers la parole. Mbot et shalom, chers auditeurs de la radio Parole Vie, la RPV, la radio chrétienne, qui a un seul objectif de prêcher Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, le seul, l'unique et le grand vainqueur de Golgotha, le seul qui est passé de la mort à la vie. Merci bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout à travers le monde entier, dans tous les quatre coins du monde, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Afrique, tout comme en Europe, soyez bénis, nos bien aimés dans le Seigneur. Vous qui nous faites confiance, vous qui aimez cette émission Parole Vie, vous qui la soutenez, vous qui la partagez, bien sûr, bien-aimés, soyez bénis. Merci, nous sommes dans la radio Parole Vie, la radio chrétienne, la radio qui nous enseigne la parole pure, une parole qui nous édifie, bien-aimés, une parole qui nous prêche la voie à suivre et qui est Jésus-Christ de Nazareth, car il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Merci, chers auditeurs de la radio Parole Vie, bien-aimés dans le Seigneur. Je l'ai toujours dit, je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Na tia kasango malamu, ya Yesu Christ wa Nazareth, nzamba solope a bomoy, nzamba atika kitabo kona likolo, asepela kitana sepo na kubiki sa yo nanga bien-aimé. Ya tuzana katsa numéro sika ya émission Parole Vie. Tuzomo na parole pe tuzomo na vie. Bien-aimé, j'aime la parole. J'aime la parole pure. J'aime la parole qui communique la vie. J'aime la parole qui édifie la foi. J'aime la parole qui augmente l'espérance. J'aime la parole bien-aimée dans le Seigneur. Jérémie a dit, je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tu as un sénatant, mes chers auditeurs de la radio Parole Vie, tu as un apostolat loba, pambalte loba, yangonde nzambi. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel, bien-aimé, envoya sa parole et sa parole les guérit. Merci, chers auditeurs de la radio Parole Vie, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, na mamali kam tozana ngolelo na katia mokola lelo jeudi, par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, te partager un sujet, topé un thème. Oye sangsibiso partout à travers le monde entier, oye katibiso pongi na boutoua lelo, et katio pongi et katie paye kuna, ben boza partout à travers le monde entier. Vous savez que quand tu as pongi ton onyoso, boutonyoso, pendant que le kelonya nzambe, na nzela, il y a Radio Parole Vie. Radio Parole Vie, c'est le col à pont où ils ont servi, yo bien-aimé, au côté en nzambe, na nzela, il y a émission Parole Vie, topé na émission na biso internaf, où ils sont à la nyoso, bien-aimé, na ngonga, il y a 4 heures du matin, guerre de Kinshasa, bien-aimé, dans le Seigneur. Na ngato sambela, par la grâce de Dieu, il y a nzambe na bon moi, Yesu Masia Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Seigneur, nazana liboso peuple na yo, tata pona lo ba makambo ko ki sama soki yo tem ton dimi yango. Seigneur, te recommander ces bons moments entre tes saintes mains. Seigneur, tika moment où ndi mama pour ta seule gloire. Seigneur, que nous soyons effacés, diminués, afin que Seigneur, toi tu règnes, tu montes au milieu de nous, Jésus. Nous sanctifions ces moments, Seigneur, pour ta seule gloire. Et Père éternel, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole ce matin. Seigneur, fais à ce que de quoi katipongi butu makasi boitongo makasi expérimenté ngolope bolam na yo na kombo na Yesu Masi à Nazareth ndeto bondeli petolobi. Amen. Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie. N'ga te partager un soutien bien-aimé. No batango no sur banza mesaka lokola farine. Muso akoli yango na forme ya gratana. Muso na forme ya lipa. Musu na forme ya gâteau, musu pe na forme ya galette topé mikate. Nga pe na memelo na forme oyo ko yambelango parce que le bananza beza lokola mai ezoka couleur ya récipient et pas yango efandi. Bien-aimé dans le Seigneur, malikam tongoto le belezali, aujourd'hui la perdrix doit quitter. Ton toruba la perdrix. Perdrix aza tout simplement race ya soso. Ton musu na bambule leki topé na ba moi. Tozoka pe ngolo ko lobelango mais nzamba inspiré biso to lobelango pe autrement bien-aimé tozoba aujourd'hui la perdrix doit quitter. Quand on parle de la perdrix,
perdri aza frasi ya soso nde bankele le bazalaka nde ba dendo bazalaka nde ba soso en général bazalaka mais soso o azana ba particularité azana ba particularité ya malamu teme ya mabe. Bien aimé, vous savez, le diable c'est un rusé. Satana, le diable n'est pas omniprésent. Mais Achaba représentant naïe un peu partout pour représenter. Et je sais le cola aza omniprésent alors qu'il n'est pas omniprésent. C'est notre Dieu qui est omniprésent. Parce que Dieu est partout au même moment. Pendant que nous sommes ici en Afrique, au Congo, à Kinshasa, particulièrement, Nanjili, Dieu est partout. Azana Hong Kong, aza partout, ana Paris, azana New York, ana Dallas, aza partout c'est Dieu, ana Washington. Bien aimé, le diable n'est pas omniprésent. Perdri oyo azana ba qualité à mabe. Perdri azana race moko rare na kata zamba, batu ba boko laye penza mingite. Pourquoi? Parce que abote amaka penza mingite. Aza soso oyo azana race moko azaka mwa lo lendo tope le fundo. Azaka na tante ya kubwa kamaki. Azaka na tante ya kubwa kamaki. Mais perdri azaka na tant ya kubaluka. Yango bien aimé, nous devons veiller et prier. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que notre ennemi, notre adversaire, le diable est en train d'éroder comme un lion. Azo baluka tongo moi pe butu aluka na no yopanza. Bien aimé, tika distraction mon frère ma sœur. Tika distraction lukanzambe. Perdi atambulaka. Atambula na kata zamba. Abalukaka. Ana tante ya uluka maki ya buwaka. Atambula avec un seul objectif. Soit amoni maki ya soso afandeli. Amoni maki ya libata afandeli. Amoni maki ya nkelele afandeli. Amoni maki ya dendo afandeli. Avec un seul objectif maki ana. Soki afandeli yango. Soki mikolo na ye ekoki ya kofandela maki. Et comme yaye. Bien aimé, pendant que je parle, les anabatu belé perdri. Ici, la perdri est en train de représenter le diable. Les anabatu belé perdri afin de la vie chrétienne. Aye. A osambela ndeti mouto osambela te. Les anabatu belé ko réalisé perdri afin de la finance. Rien ne marche dans sa vie. Rien n'évolue, bien aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une perdri. Oh, afin de la vie, naye. Oh, afin de la finance. Oh, afin de la misala. Oh, afin de la bon moyenne mobimba. Je ne sais pas, bien aimé. Perdre ni na fin de la domaine à Vinayo. Perdre l'oukaka ba mak. Soit mon imak a fandeli. Moussale a perdu en wana. Pendant que non le besoin ba tubele perdu sa fin de la santé. Afin de la Vinayé. Afin de la domaine moko songolo. Afin de la ba proja Vinayé. Afin de la misala naye. Afin de la bon moyenne. Afin de la ba relation naye. Afin de la maternité, difficulté ya kobota, mais ba médecin ba déclaré que a bien, ou ba li pas a bien. Mais jusque là, ba za ko arrivé ta ko simba bana. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une perdrie. Oh, c'est afanda. Écoutez bien aimé, nous lisons rapidement le livre de Jérémie chapitre 17 verset 11. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci: comme une perdrie qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Écoutez ceci. Ici, la Bible nous donne l'exemple des perdris. Et je peux s'habiller sur le lingue à perdri. Façon pour vous allanayer. Comme une perdrie couvre des œufs qu'elle n'a point pondu. Awa perdri, akouvaka makio yabouakate. Maki, c'est la semence. Maki, c'est la bénédiction. Maki. Eza semence na yo mon frère. Ma ki koza la santé. Ma ki koza la loko mo songolo. Ezo sa la force na yo. C'est ça ma ki. Ma ki koza la esengwa mutema na yo. Ma ki koza la mabota na yo. Ici la Bible dit loko la perdi afin de la ka ma ki o yabu a kite. Perdi anatina tabu a ka ma ki. A olu ka ma ki no afande la pe koma. Ezana ba tue bele. Azaka na li pambo lo ezana forma ma ki. Me perdi afande lango. Ezo forme a perdri. Il y a ce soir fin de la kamaki 21 jours. Ce soir fin de la kamaki tous ces 21 jours automatiquement. Bana babote en basoso. Perdi pas à mi colonie au fin de la kamaki. Mais c'est que j'aimais. Écoutez ceci, cher bien-aimé. Le col a perdu au fin de la kamaki. Il y a beau quitter. Maki est sa semence.
soso bundia bwa ki maki me perde ya fandeli yaya bako fandelo maki te pandak yo nyoka pona ko bwa ka maki oza elemba li pambo li pona yo ndenge perde fandela ka maki abwa ki te bien aimé lo lenge mon copain mutama be azozo abozui azozo a richesse injustement eza batobele bazwe sengone injustement bazwa li tete li nae injustement bazwa vi nae injustement bazwa le ko sala ke sengone injustement. Ce que j'ai aimé, cher bien-aimé, au milieu de ces jours, il doit les quitter. Mi colonne kokokate parce que so mi colonne koki. C'est mon swana ndenga fandeli maki et comme forme na et osa forme na. Donc apesa ka maki forme na. Donc rien que chaleur na quand ndenga fandeli maki et ju forme na. Yango li pambo luno et osa forme nemité. Nzamba pambola yo olobi amen. Nzamba salo bolamu asalo ngolu penza obika bolamu na ye. Ndeko lobi amen. C'est possible bien-aimé. Muto afandela domaine na vie na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, mi colonne kokate atelema. La Bible me dit ceci, au milieu de ses jours, il doit quitter et à la fin azaka ka sensé. Yo muto afandela vie na yo, li pambolo ko sa forme na ete. Ataza muto a famille, ataza muto a quartier, atalia kanayo, atamela kanayo, mais je te prêche bien-aimé. Naza prédicateur abon nouvelle naza moté sango malamu yo mutu nazo té mon frère au père d'afan de la santé au père d'afan de la finance au père d'afan de la libala afan de la voyage afan de la ba classe afan de la sengo alba que yo ko simba té tika loba mon frère tika loba o akoloba mais moi si je sais bien-aimé une chose importante que perdri mi colonne ko kokaté akoko se mi colonne été ko téléman bongo la suka akobi mazoba pourquoi parce que afan de li ba ko ba fan de la katé afan de li ma ki mutu ba fan de la galte ya makeza li pamboli ba ko fan de la makina ote li pamboli ko koma jamais aye ya yo ko tikala ya yo ya yo ko koma jamais aye yango perdi nyoso wa fan de la domaine a vina yo. Je déclare ce matin kando kati pongi bongo kando zo lukelo nganzambe li pambola vina yo e kozo couleur abanguna na yo te e kozo chaleur abanguna na yo te ndeka ozo ndima ezo salamela yo na zo te abato bazo ndima li pamboli na yo e otikala ya yo atam ta fan de la ngaza nani ataza mambo a famille azana ni merci possible ce matin muto afan de lango atelema afin que Christ azala glorifier na kombo na Yesu Christ Nazareth nzamba solo pe a bomoy. Merci papa, merci maman. Mais besoin qu'il bako na biso na kati radio parole vie maintenant to komi pratiquement na suka ya numéro na biso mukola lelo sino Yesu Christ Nazareth nzamba solo pe a bomoy apambola bino bien aimé dans le Seigneur et ya na lobaton nyo so soko sima na mate a lokola boye. Vous comme la biso na plus 243 89 670 76 01. Vous avez un pasteur Herbie, pasteur Etibissiamo, Lelo, Tozakina, ingénieur et Gersa Pemba. Donc, qu'est-ce qu'on a dans un repos, dans une pause? Et vous pouvez vous appeler Nzoto, à Sali Penamini, Makaskoleka. Et vous avez un peu de Mibale, ingénieur Mibale. Lelo Bongo Mikolo, Tozana, ingénieur Gersa Pemba. Moussa Nzambe pe le colonel de Christ kundenga bana Nzambe bana mo bazak tellement sérieux pour nous servir sous Moussa Nazareth bazai mo côté azai longona ndeko très ontingi Nzamba pambola bino ba ndeko nyoso boza awana kati sika oyo Yesu Moussa Nazareth asambe bolam ndeko posimba mi na matia ya zo matia o partager ango mener la seke pa biso to ko komate yo okoma na ba numéro o koza nango soit ba nzela contact na yo. Merci bien dans le Seigneur. C'est que Jésus Christ à Nazareth à Pambola Bino, ça me dit tous en agent de prière. Ça me dit que l'on a ma bien-aimée recommandation de Zepa et Nanzambe, tous en agent de prière. Bongo lobby, tout le monde a ma saint Nanzambe Awa, bien-aimée tous en maman Esther Yembe, tous en Awa Nakata Radio Parole Vie. Je sais que nous serons vraiment bénis. Maman Esther Yembe Kupula, même dans le cadre de préparatif, il y a le 20 février une grande activité où les Ali Bongo na Gombe na Chobez. J'espère que lobby vendredi pour cause à la béni Yesu Masa Nazareth à cause à la penza glorifié quatre nabiso à kotomboama tondi mete nzamba kotika biso te merci ce que Yesu Christ Nazareth sa maison galité tokutani bongo lobby elongo na maman Esther Yembe bongo samedi tokutana programme nabiso ya jeune prière. C'est Yesu Christ Nazareth à Pambola Bino. Merci l'ingénieur Gersa Pemba et le monde de côté très intime. Merci que Dieu vous bénisse. Au commencement, était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, et Christ, et Christ. Radio, radio, parole vie, parole vie. La radio qui donne la vie à travers la parole, la parole, la parole.